Un moment de gêne. Royal. De retour dans son travail de représentant de la couronne britannique, le prince William a effectué, mercredi 19 janvier, son premier engagement de l'année en compagnie de Kate Middleton. Pour l'occasion, le couple Cambridge s'est rendu au Foundling Museum, à Londres. Toutefois, cette visite a été ponctuée par un moment de gêne qui n'a pas échappé aux personnes présentes sur place. Après le prince Harry et Meghan Markle, c'est désormais le prince Andrew qui depuis plusieurs semaines embarrasse la famille royale, tandis qu'il est accusé de viol par Virginia Roberts, une victime de Jeffrey Epstein. Visé par une plainte pour viol en août dernier, le duc d'York devrait prochainement faire face à la justice tandis que cette plainte a été enregistrée par le tribunal de New York. En réaction à cette nouvelle, Elisabeth II a décidé de déposséder son fils de ses titres militaires, jusqu'ici conservés malgré son retrait de la vie publique. Mais parmi les autres Windsor, l'embarras est palpable, comme pour le prince William, qui a tenté d'éluder une question sur son oncle lors de son dernier déplacement. Votre Altesse Royale, puis-je vous demander, soutenez-vous le prince Andrew ? A demandé un journaliste au duc de Cambridge, qui a confié ne pas avoir entendu la question. William a-t-il joué un rôle dans la décision de la reine ? Se rapprochant de son interlocuteur, ce dernier lui a alors demandé de nouveau, soutenez-vous le prince Andrew ? Lui avez-vous parlé récemment ? Une nouvelle question que le prince William a balayée d'un sourire, visiblement embarrassé avant de se concentrer sur les personnes présentes, notamment son épouse Kate Middleton. Quelques jours plus tôt, c'est le prince Charles qui avait ignoré les questions sur le prince Andrew, en continuant mine de rien de saluer les personnes croisées lors d'une promenade en Écosse. Il faut dire que lui et son fils aîné ont joué un rôle dans la décision radicale de la reine d'évincer le duc d'York, qui se défendra dans cette affaire à titre de citoyen privé.